Chapitre 17. Puis, Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit: Pour moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, entre parenthèses, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham: Mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, d'âge en âge. Voici mon alliance que vous garderez, et qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez votre chair, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui qui, acheté à prix d'argent de quelque étranger que ce soit, n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui a été acheté de ton argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance éternelle. L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair, sera retranché d'entre ses peuples. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah. Entre parenthèses, princesse est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son cœur: Naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu: Puisse Ismaël vivre devant toi. Et Dieu dit: Certainement, Sarah ta femme va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac. Entre parenthèses, rire. Et j'établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque, l'année prochaine. Et quand il eut achevé de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait achetés de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il circoncit leur chair en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Or Abraham était âgé de 99 ans quand il se circoncit, et Ismaël son fils avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham et Ismaël son fils furent circoncis en ce même jour-là, et toutes les personnes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison, et ceux qui avaient été achetés des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui.